Il y a un ours dans la maison. Relax, c'est Marguerite. Son cirque a fait faillite, alors je l'ai adoptée. Elle est très cool, tu sais. Alors c'est OK? Elle peut rester? Non! Tu vas la laisser toute seule? Sans maison, sans famille, sans amour. Bon, OK, elle peut rester. Mais pas de bêtises, hein? Merci, Hubert. Tu vas voir, elle est super attachante. C'était mon slip. C'est bon, si on peut même plus emprunter des fringues. Emprunter, oui. Transformer en parachute, non. Les ours, c'est pas fait pour vivre dans une maison. C'est fait pour vivre dans la forêt. Mais elle a toujours vécu en captivité. Elle tiendra pas 10 minutes toute seule dans la forêt. OK. Elle sait rien de la nature. Moi, je vais lui apprendre. Bien. La première chose qu'un ours doit trouver, c'est... Un chapeau chinois, un plat à couscous, une fusée. Non, une grotte. Il fait un poil sombre. C'est où la lumière? Il n'y a pas d'installation électrique dans une grotte, voyons. Bah si, tiens. Finalement, on sera mieux dehors. Et puis, il faut qu'elle apprenne à vivre à la dure. N'est-ce pas, Marguerite? Deuxième chose à faire quand on est un ours, chercher à manger. Bonne idée! Allô, Sushi Rocket? Je vais prendre 3 menus sashimi. Les bêtes sauvages, ça ne commande pas des sushis. Et ça ne mange pas de chips. Ce sont des baies toxiques. Je crois pas, moi. Et non, mais eux, ils sont immunisés à force de manger n'importe quoi. Regardez! J'ai trouvé un bon champignon. Hop, hop, hop! Attention, ils ne sont pas tous comestibles, hein. Plus un champignon est joli, plus il est toxique. Une bouchée de celui-là et tu finis au paradis des mouches. En toute logique, celui-ci est sûrement comestible. Mmh, délicieux, non? Avec nous, Hubert, combien j'ai de doigts? Ça va pas bien, non? J'ai juste avalé de travers. Bon, on va manger des noisettes plutôt. C'est plein de protéines. Salut toi. Oh, il est mignon. Oui, bon, au début c'est toujours un peu difficile, mais on a encore du temps devant nous. Là! Vous sentez la bonne odeur du miel! Laissez, j'y vais. Entre cousines, devrait y avoir moyen de négocier. Hey! Salut les filles! Bon, c'est de la famille très éloignée, en fait. À toi, Marguerite. Tu sais comment faire, c'est dans tes gènes.
C'est ta copine après tout. Ça va comme tu veux? La pêche? Ouais! On a réussi! Super! Faudrait qu'on survive maintenant! Par là! Maman! Maman! Il y a un sanglier qui s'est échappé! Un sanglier? Où ça? De quoi tu te plains? On a à manger, à boire, il y a même le câble! L'avoine matin, midi et soir, c'est pas mon truc. Je veux du thé, des biscottes.